Bonsoir, c'est PL Cloutier. On est vraiment le soir. C'est comme en train de devenir une habitude sur ma chaîne de commencer les vlogs vraiment tard. Mais là, j'avais trop pas prévu faire un vlog aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Hier, c'était le juste pour ados. Puis, j'ai envoyé des courriels à plein de monde. Puis, il y a Evenco qui est le producteur de ma tournée. Bonne fête à moi. Si vous voulez venir, plcloutier.com. Il y a plein de billets à vendre. Puis, ils sont aussi les producteurs du show de Céline Dion. Comme, allô, ça n'a pas rapport. Fait que j'ai envoyé un courriel pour savoir si je pouvais pas peut-être aller voir Céline Dion parce que je suis super fan. Puis, ils m'ont trouvé des billets. Fait que ce soir, je m'en vais voir Céline Dion. Moi, j'y vais pas. Oui. Andrew, t'es-tu un fan de Céline? J'adore Céline Dion. Bon, c'est la bonne réponse parce qu'au Québec, t'as pas le droit de dire que t'aimes pas Céline. Tout le monde aime Céline. She's queen. Fait qu'on s'en va. Ben, je m'en vais voir Céline. Puis, il y a P.O. Beaudoin qui s'en vient. Puis, ça va être encore une fois la Loto Métro. Je vais essayer de trouver P.O. sans sortir du wagon. C'est notre truc. On s'attend dans le dernier wagon. Oh, mon Dieu! Ah oui, je voulais dire, ça se peut que je démonétise le vlog parce que j'ai pas l'intention de m'empêcher de chanter les chansons de Céline, puis c'est sûr je vais avoir un strike. Je pense que vous voulez pas rater ça. Ah oui, ou peut-être. Si vous voulez pas m'entendre chanter, allez voir mon vlog à Juste pour ado. Chante pas là-dedans. Sinon, restez là, mon Dieu, c'est Céline! Est-ce que je vais gagner à la Loto Métro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à P.O. Beaudoin? Est-ce que P.O. Beaudoin? Ah, allô! Bye, Andrew! Bye! Tapis rouge! Oh mon Dieu, on vient d'arriver, puis on était trop pas sûr qu'on était dans la bonne file. Puis tout le monde. On est même ici, là. Ok, là! Puis. Bienvenue dans le vlog! Ah oui! Oh mon Dieu! Puis, P.O. était superstar. Vous avez pas vu ça dans le vlog, là, mais tout le monde voulait prendre des photos avec P.O. Moi, ouais, on s'en prend-tu? On prend une photo! Mon Dieu! On prend une selfie! Faut que je sorte mon double menton, ok? Ok, 1, 2, 3! Eh mon Dieu, t'en as pris 8! Là, ça, c'est angoissant. C'est genre le tapis rouge pour Céline! Mon Dieu, je suis énervé, Céline! Céline, Céline! Il y a comme un monde partout, c'était trop awkward. Comme je suis passé dans l'espèce de truc là-bas, c'est comme pour prendre des photos, puis il y a juste la photographe de Hollywood PQ qui m'a demandé une photo. Les autres étaient comme, c'est qui ce gars-là? Ah, oui! Mais t'as pris des photos avec les autres? Mais non, ils me connaissaient pas, fait qu'ils n'en ont pas pris. C'est juste Karine qui m'a dit, veux-tu prendre une photo? J'ai comme, ok, mais moi j'adore ça. C'est comme le choc des générations. C'est une question de temps, c'est juste parce que t'es pas à TVA. Oui, ça. Il faudrait que Céline vienne à mon spectacle. Ok, on a trouvé, c'était par où les bons verres de vin? Hey, allô? C'est comme oui. un meet-up, ok? Yeah. Bonjour, salut! Bon, comment? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok, c'est comme en train de virer en meet-up, là. Non, je mais m'attendais sérieux, trop. C'est super parce que hier, c'était juste pour ados. Oui. Puis là, aujourd'hui, c'est comme la même affaire, mais ils ont tous 30 ans de plus. Oui, c'est juste pour adultes. Ouais, c'est ça, c'est juste pour adultes. Juste pour Céline. Bon, là, c'est ici que se passe le bon verre de vin. C'est comme toutes les invités, dans le fond, vu que c'est la première, là, comme il y a plein de monde qui ont été invités, fait qu'on va prendre un bon verre de vin. Merci! Yes, j'ai trouvé le bon verre de vin de Céline. Il n'y a pas juste Céline, il y a Ricardo! Avec le hot dog! Mon Dieu, Céline, il n'irait pas à te nourrir au hot dog? Oh, écoute, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a des bons verres de vin. Ça, le vino, que tu n'as pas amené. Je peux t'arranger ça. Tu sais que tu vas recevoir une invitation. Bon, la portion cocktail vient de terminer, puis il y avait des hot dogs, puis là, depuis tantôt, j'arrête pas de me checker pour voir si j'ai pas de la moutarde pris dans ma barbe ou quelque chose. Puis il y avait tellement de gens connus, là, j'étais comme un peu fangirl. Il y avait Lise Dion qui était pas loin, j'étais comme, mon Dieu, j'ai Lise Dion! J'aime pas Lise Dion, je suis fan fini de Lise Dion. En tout cas, elle était pas loin, puis j'ai comme failli dire allô, mais j'ai pas dit allô. Puis il y avait aussi des gens qui étaient, qui sont des super fans de Céline, qui sont venus de la France pour voir le show, puis ils m'ont reconnu, puis j'ai signé genre le programme officiel de la soirée de Céline. C'est comme, ça a trop pas rapport, on dirait que je l'ai comme diminué en ajoutant ma signature dessus. Fait que, oh, ah, on va en avoir un. Oh, c'est ça le programme officiel que j'ai signé. On vient d'entrer dans le centre d'elle. C'est par là, PO? C'est là, faut aller?
par terre. Sans... Mon Dieu, que je suis excité! Mon Dieu, moi aussi, je suis énervé! Hey, on vient de passer, elle n'a pas checké nos billets, Léo. Je suis pas sûr qu'on est au bon endroit. Ah oui. OK. Bon. On est-tu en train de manquer la... On manque la première partie, merde. OK, j'arrête de parler. On vient de trouver nos places. On capote! Par rapport, on est là à la cinquième rangée. On est juste ben trop proche. On veut pas par rapport. On va genre sentir Céline. Bon, la première partie vient de finir, puis on n'en vient juste pas encore comme on a compté, là. On est à la 10e rangée. Ça a trop pas rapport, mon Dieu, je suis énervé. On a informé les gens autour de nous que ça se trouvait concret. Puis eux autres sont bien corrects avec ça. On a même débile. Je vais être à côté de nous autres. On est bien déçus. Mon Dieu, fait que là, c'est comme l'intermission. Puis Céline s'en vient. OK, mais what the fuck, là. Je suis genre sur l'écran géant au Centre Bell avec l'abonné français que j'ai signé son cahier de Céline. Mon Dieu, c'est trop bizarre. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant tu aimes, on tu fais ma mémoire. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Où j'étais, terre d'Asie. Parce que j'ai trop vlogué pendant My Heart Will Go On, puis il y a eu 3 rappels, c'était malade. Je vais vous parler du show demain matin, ok, bye! C'est le lendemain matin, j'ai dormi avec Céline. Je voulais vous montrer le programme, là. Il y a des photos là-dedans, sont juste tellement belles, là. C'est un truc souvenir que le monde pouvait acheter, puis moi, on me l'a donné, merci beaucoup. Puis, comme c'est tellement un beau souvenir, là, il y avait du monde dans... Ah, c'est ça, je voulais vous montrer, regardez ses jambes! Ça n'a pas de sens, cette photo-là est écœurante, là. Puis, comme... Si j'étais un des super fans de Céline, comme il y en avait plein là, dans notre section, c'est tellement un beau souvenir. Là. Je suis impressionné de la qualité de ce truc-là. Puis, regardez ça, cette photo-là, c'est tellement belle. Là. C'était, je pense, la 5e fois que je voyais Céline Dion. C'est un peu intense, mon affaire. Puis, on dirait que dans ma tête, j'ai toujours le souvenir de, moi, mon show préféré, qui était sa tournée Taking Chances. Puis là... C'est de plus en plus tranquille, ces spectacles. Puis quand elle vient à Montréal, elle fait la même version qu'elle fait en France puis en Belgique. Puis elle fait beaucoup de chansons de ses nouveaux albums en français qui sont pas mes préférés puis qui sont vraiment plus calmes. Puis dans Taking Chances, là, ça dansait. C'était comme un autre genre de spectacle complètement. Fait que c'est comme si vous allez voir son concert, préparez-vous, là, c'est quand même un peu plus tranquille que ce qu'on a l'habitude de Céline, mais c'était tellement bon. À un moment donné, elle a fait un medley de ses plus vieilles chansons, puis là, tout le monde dansait, puis elle a fait River Deep Mountain High, puis oh mon Dieu, c'était vraiment le fun. Fait que voilà, c'était un genre de vlog un peu étrange. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs où il y a juste une chose, mais je voulais comme vous partager ma soirée avec Céline. Fait que vous me direz ce que, avec Céline, comme si j'avais passé la soirée avec elle, ma soirée au spectacle de Céline, vous me direz ce que vous en avez pensé, puis si vous allez voir Céline, vous me direz quelle date
Je pense qu'elle a fait 12 dates ou plus même au Québec pendant sa tournée cet été. Puis si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up, puis vous me direz c'est quoi votre chanson préférée de Céline, peut-être qu'on est la même. OK, salut! Ah oui, ah non, pas vrai, pas salut! Je voulais dire merci à Evenco puis à l'équipe de Céline de m'avoir donné des billets juste vraiment trop bons. OK, bye! Oh, c'est moi? C'est moi?